Salut, c'est Clara, ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous parler par ici sur YouTube et je reviens avec une nouvelle vidéo où on va parler d'une tente, de la tente 2 secondes Easy de chez Quechua qui est sortie, donc la nouvelle version qui n'a rien à voir avec l'ancienne, mais on va parler des deux tentes pour les comparer et voir ce qui a évolué et changé. Il y a quelques semaines, j'ai été invitée par Quechua pour découvrir cette nouvelle tente 2 secondes Easy. Et c'est pour ça que maintenant je peux vous en parler parce que du coup j'ai reçu le modèle, je l'ai testé moi-même et je l'ai comparé avec l'ancienne version de la tente 2 secondes de chez Quechua. Ensuite, sachez que ce modèle n'a vraiment rien à voir avec l'ancien, c'est-à-dire que tout le procédé a été revu, toute la maquette de la tente a été revue, le fonctionnement, comment elle s'ouvre, comment elle se démonte. Donc les deux modèles n'ont vraiment aucun rapport sauf le fait de se monter et se démonter très facilement. Ce nouveau modèle a été développé par les ingénieurs des Quechua parce qu'ils ont reçu tout au backup par rapport à l'utilisation de l'ancienne tente et s'ont rendu compte que la manière dont on repliait la tente 2 secondes de Quechua n'était pas forcément facile pour tout le monde. Il fallait avoir un mouvement, le mouvement de repli en 8, vous savez. Du coup, ils ont enlevé totalement ce fonctionnement et ils en ont inventé un autre que vous verrez par la suite. Donc la grande différence avec l'ancienne tente, c'est le nouveau système de parapluie qu'il y a à l'intérieur de la tente et qui fait que les arceaux qui sont à l'intérieur se déplient en une seconde en fait. Deux secondes si on veut être précis, et du coup il suffit juste d'actionner une manette comme vous pouvez le voir, et après pour la démonter il suffit juste de pousser, d'appuyer sur push de la petite manette pour refaire le mouvement inverse et donc replier la tente. Donc vous n'avez pas ce système de 8 qu'il y avait avec l'ancienne tente. Donc moi j'avais vraiment un très vieux modèle de la tente 2 secondes à la tente ronde de Quechua. Du coup je vous ai fait un comparatif, mais sachez que moi je l'ai acheté il y a 10 ans, donc depuis elle a beaucoup évolué et l'ancien modèle sera toujours vendu chez Decathlon à un prix beaucoup moins cher que la nouvelle. Elle sera vendue au prix de 50€ alors que la nouvelle sera vendue au prix de 99€. Ce modèle de tente est adapté pour deux personnes. La nouvelle tente 2 secondes pèse 4,7 kg, l'ancien modèle pèse 2,9 kg, donc il y a quand même une différence de poids, mais sachez que toutefois la tente 2 secondes à ses débuts pesait quand même beaucoup plus lourd et du coup qu'elle a été améliorée, ce qui va sûrement être le cas aussi pour cette nouvelle tente. Donc pour l'instant c'est 4,7 kg, soit presque 5 kg. Donc vous vous rendez bien compte qu'avec ce type de tente qui pèse quand même assez lourd, on peut pas partir en trek ou en randonnée pendant de longues heures. C'est une tente qui est plutôt destinée à du camping de loisirs ou par exemple pour aller dans des festivals de musique l'été. C'est une tente plutôt pratique qui s'adresse à un type de campeur peu expérimenté ou qui souhaite tout simplement aller un week-end entre potes au bord d'un lac. Du coup voilà, vous avez les deux tentes. Sachez également que la nouvelle tente est plus haute sous plafond, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre dans une position assise plus confortable et qu'elle est également équipée de la technologie Fresh and Black qui permet d'être totalement isolée en été et du coup de ne pas avoir trop chaud lorsqu'il y a la canicule par exemple. Autre innovation également, des deux côtés du coup, il y a deux ouvertures au lieu d'une seule ouverture frontale pour l'ancienne tente. Du coup vous pouvez mettre de chaque côté votre sac, vos pompes, plein de choses et chacun a son petit espace. Cette vidéo comparative est terminée, ça m'a permis de vous présenter cette nouvelle tente qui est vraiment une grosse innovation de la part de Quechua. J'espère que vous aurez l'occasion de la tester cet été. En tout cas, je vous remets ses caractéristiques juste là. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimée. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et j'espère à bientôt sur cette chaîne YouTube.